Salut, allez, c'est Sam, on se retrouve pour une vidéo sur un mode Automobilista 2. Alors, vous savez, hein, c'est l'une des simus sur laquelle je roule le plus. Et des modes, il y en a tellement. Je vous ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, notamment pour les installer. Enfin bref, si vous ne connaissez pas, allez checker un petit peu et je vous mettrai peut-être en vignette encore une fois le lien de cette vidéo. Alors là, on est parti sur un circuit, un mode circuit qui a été attendu, qui est pas très développé, c'est-à-dire pas sur MS2 mais dans l'ensemble du sim racing, qui n'est pas beaucoup couru, enfin qui n'est pas dispo partout. Bref, c'est Zolder. Alors Zolder dans sa version actuelle entre guillemets, c'est un circuit notamment qui est connu pour avoir vu le tragique accident et notamment le décès de Gilles Villeneuve. Ça devait être en Formule 1 en 82, je crois. Bref, donc c'est pas la version historique que je vais vous présenter là. La seule version dispo, souvent comme c'est un mode, c'est la version actuelle entre guillemets, donc circuit de Belgique, enfin, qui se trouve en Belgique. On va aller voir directement sur le jeu ce que ça donne. Alors donc, on va aller voir, hop, donc le mode, il est ici, tout simplement. Vous voyez, il n'y a vraiment qu'un seul layout, qu'une seule version. Donc 10 virages, 4 km au niveau du tracé. Et moi, en véhicule, je vais prendre également un mode. Voilà, c'est le mode GT1, FIA GT1. Donc moi j'ai pris la Lambo ici. Donc c'est encore une fois, hein, il y a de la Lambo, il y a la Maserati, il y a la Nissan, la Ford, la Aston Martin et de la Chevrolet Corvette. Donc moi j'ai choisi cette Lambo parce qu'elle n'est pas souvent utilisée. On n'en voit pas souvent, hein, dans les simus de sim racing. Donc voilà, ce sera 5 tours. Que dire d'autre? Bah, rien d'exceptionnel. En termes de réglage, j'ai essayé d'affiner l'IA au mieux, donc j'ai fait plusieurs tests. Toujours pareil, ça n'a pas changé, malheureusement, ça n'a pas été réglé. Je ne sais même pas si c'est possible. Toujours des problèmes sur les drapeaux, sur les cuts, sur les essais, les sorties de stand. Il y a toujours des voitures qui décollent, qui volent. Je ne connais pas le souci. Honnêtement, je crois que ça le fait quasiment sur tous les modes circuit. Je vous conseille, c'est de désactiver les drapeaux, de désactiver également les dégâts, parce que si vous sortez des pits pour les essais ou les qualifs avec des dégâts, c'est un peu dommage. Alors oui, je sais, c'est chiant. Oui, je sais, c'est dommage. Bon, c'est du gratuit. Soyons pas trop difficiles. Voilà, si ça vous intéresse pas, vous le prenez pas. Mais bon, bref. Donc encore une fois, le lien de ce mode dans la description, comme d'habitude, et on est parti bah pour cette petite course pour montrer un petit peu en contexte à quoi ça ressemble. Et encore une fois, il est super bien modélisé. Alors, c'est pas du laser scan, ça vient de Pécasse 2, mais ne faisons pas la fine bouche. Hein. Prenons en plus, notamment comme c'est gratuit, ne boudons pas notre plaisir. Allez, c'est parti pour la course. Allez, c'est donc parti pour 5 tours sur ce circuit de Zandvoort, donc à bord de la Lambo. J'ai réglé l'IR comme d'habitude en fonction un petit peu du tracé. J'ai retiré le maximum d'indications pour vous donner un petit peu plus de réalisme. On est sur la catégorie, comme j'ai dit, GT1. Allez, cette chicane assez difficile à gérer. On est large ici. On va rester en deuxième. Une belle catégorie ici, le mode des GT1.
rallye est pas trop dégueulasse, ça va encore. C'est toujours plus difficile hein, sur les circuits modés. Regardez-moi ça, ces belles couleurs. Ça bouge hein, dans le volant. Il n'a pas hésité à prendre le vibreur. Ici, ça va être chaud. Il est à l'inter. Je suis pas à la fête, hein. L'IA est clairement au-dessus de moi. Des places. Ouh. Alors là, gros blocage ici. Oui, c'est un peu ça le problème de l'IA. Une fois que vous avez un petit peu compris comment il roulait, vous pouvez un petit peu anticiper. Mais bon, moi, ils loupent rarement leur freinage. Allez, plus que deux tours. Je l'avais vu dans le rétro. J'ai attaqué un petit peu plus ici. Soit protégé, soit attaqué. Allez, je suis un peu mieux sorti pour le dernier tour.
pas évident, ça peut passer, mais... Ah, ici, je suis peut-être mieux rentré. À l'extérieur, attention. Ah, il ferme. Ah, ça freine trop tard. C'était chaud. Très loin, je crois que je termine 16e. Bref, c'était pas le but de cette vidéo, c'était au moins de vous présenter un petit peu ce mode. Moi je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous les avez testés, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.